Hey, salut tout le monde, c'est Pierre Polquin aux Accessoires Spider et bienvenue dans l'extérieur de la Spider Shop. Un matin, je voulais faire un court vidéo parce que mon beau F-150 2012 qui est en arrière, on l'utilise pas souvent. On utilise beaucoup notre Ford Connect, Transit Connect qu'on a pour faire nos commissions. Mais là, on avait besoin un matin, puis il part pas. Il part tellement pas que les portes se débarrent même pas avec la clé. Fait que j'ai pensé, on va faire un test, parce que je dis toujours que ça marche avec les Spiders. C'est censé marcher avec les camions. Fait qu'on vend, nous, qu'est-ce qu'on appelle le Durabat ici, on vend ces genres de chargeurs-là, un petit peu plus gros qu'un iPhone, trois fois l'épaisseur d'un iPhone. C'est censé être capable de faire partir un camion. Ah oui, avec un gros V8. On va voir si ça va fonctionner. Fait que je vais juste vous montrer ici, là, j'ai ma clé. Ma clé ici. Puis, le soleil dans les yeux, là, solide. Attendez, je vais aller l'autre bord parce que là, pas facile de voir. OK. Fait que là, j'ai ma clé ici, là. Puis là, je pèse pour débarrer. Il n'y a rien, il n'y a pas de bruit là. Ça marche pas là. OK? Fait que là, on va rouvrir. Allez en arrière là. Je vais tourner ma clé. Vous me suivez là? Essayez pas trop. Vous... OK? On tourne la clé. Là, je tourne la clé. Je mets ça ici comme ça. Ma clé est tournée. Il n'y a rien là. Zéro là. Ça part. Il n'y a rien qui allume du tout, du tout, du tout. Fait que là, on va faire le test. On va ouvrir le capot en avant, on va mettre notre Durabat, on va voir si c'est capable de le faire partir. OK, c'est le temps de faire le test. Ah, moi je viens d'entendre les portes bouger. Ouais, je voulais juste vous montrer quelque chose, c'est que le Durabat qu'on a ici, là, ceux qu'on vend, ben ceux-là, ça fait au moins 3. Les freins sont dû à changer sur mon camion. Fait que ça fait au moins 3-4 ans qu'on l'a. OK? Puis Steve m'a apporté un bon point. Il dit, hey Pierre, tu leur as-tu dit que la batterie est encore pleine, le chargeur? Ben oui, regardez les lignes bleues. On vient juste de le faire. On est en train de faire ce qu'on devait faire. Puis la charge est encore pleine, même après ça. Ça va à peine. Ouf! Hey, ça fait du bien, ça, en fin de compte, le test, ça fonctionne. Pourquoi je le recommande? Mais vous devriez toujours avoir ça dans votre Can-Am Spider. Vous pouvez recharger un laptop, un téléphone cellulaire, n'importe quoi. Puis vous pouvez booster votre Can-Am Spider aussi. Puis dans le besoin, mais vous pouvez booster un F-150. Tous ceux qui adorent les RAM vont dire, mais c'est pas un problème de RAM ou de Ford, là. C'est un problème de batterie, puis le fait qu'on n'utilise pas notre camion très, très souvent. Fait que, mon nom c'est Pierre, puis où vous pouvez acheter ça? Ben, allez sur lesaccessoiresspider.com, lesaccessoiresspider.com, puis vous pouvez l'acheter directement en ligne. Hey, un gros merci tout le monde. Bonne saison. Bye bye.